Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Ghost Recon Wildlands. Nous allons donc cette fois-ci nous attaquer à un gros morceau littéralement puisque nous allons... D'ailleurs on peut voir zone militaire dans le coin donc c'est intéressant. Ça me permet de savoir plus ou moins à quoi on s'attaque. Et effectivement c'est un magnifique camp militaire. Complètement dangereux. Et je dois vous avouer que ça m'emmerde un peu. Parce que je ne sais pas. On est soupçonné. Ok, c'est la base de l'Unidad. On cherche le capitaine qui traite avec Yuri et Polito. Attendez. Mouais. Alors normalement le cartel et l'Unidad, ils sont plus ou moins dans la même région. Hein. Ok, c'est la base de l'Unidad. On cherche le capitaine qui traite avec Yuri et Polito. Oups. Merci. Ok. Donc on est recherché encore. Hein. On a semé la patrouille. On va essayer de se placer dans les... ce que je pourrais appeler les marécages. Hop, allons-y. J'espère juste qu'ils ne nous cherchent pas. Et on y va. Unidad. Les forces de l'Unidad sont de dangereuses factions ennemies qui vous attaquent à vue. Les meurtres d'unités de l'Unidad augmentent leur niveau de patrouille, sauf si vous n'êtes pas repéré. Faites profil bas quelques temps pour réduire le niveau de patrouille. D'accord, ok. Ça, je me loot un petit peu. Je sais à peu près comment ça fonctionne un jeu vidéo, merci. C'est là que notre portée augmentée de... Personne? J'ai rien dit. Un sniper en haut de la tour. J'en ai eu un. Je crois qu'on est tranquille. Avoir les snipers, c'est jamais ce qu'il y a trop de compliqué finalement. Puisqu'en fait, ils sont souvent seuls en haut. Non, normalement le drone a une vision nocturne. Hein. Je m'insurge peut-être, mais je l'ai acheté. Hein. Voilà. J'en vois un autre. Ça fait 5. Donc là, on a un scan. Ah là, donc les indiquent sur la map quand ils parlent. Ok. On va les faire nager un petit peu. Tranquillement. 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 Drone. Pour une base, il n'y a pas tant de monde, hein. C'est parti. Compris. J'ai le capitaine de l'unité en visuel. Ok, c'est cool.
un soldat de l'Unidad solo, à côté du conteneur. Si je peux avoir l'autre sniper de là, je gagnerai un temps immense. En plein dedans. C'est bon. Je vais me mettre ici. Faut que je vérifie dans le coin. Il y a beaucoup de monde, hein, dont énormément qui sont regroupés par endroits. On va essayer de réfléchir, on va essayer de réfléchir. Lui, il est seul là-bas. Hein. Je pourrais peut-être aller le chercher en solo. Si je peux le mettre dans le noir. Je vais voir la réaction que ça va faire en fait. Réaction que ça va donner. Est-ce que ça alerte les ennemis? C'est ça la vraie question. Hey, j'ai trouvé une caisse d'armement. Ouais, j'ai vu. Prendre des munitions. Prendre l'équipement. Lunettes pour une arme que je n'ai pas. Il a son propre générateur, vous avez entendu? Enfin, vous entendez toujours d'ailleurs même. Bonjour. C'est quoi ce bordel? Comment ça va du con? Comment ça va du con? Viens dans ton bureau. Alors vas-y, tu m'expliques maintenant. Merde, je vous dirais que dalle plutôt que crever. C'est toi qui vois. Mais avec des fous furieux comme Yuri et Polito, c'est toi qui risques de finir pendu par les baloches à leur plafond. J'attends que ça, crois-moi. Ça te soulagerait de plus les avoir sur le dos. Écoutez, je suis pas une balance, mais j'avoue, ils me foutent les jetons. Le truc, c'est qu'ils sont même pas à Itaqua. Alors fais-les venir à Itaqua. Dis-leur que t'as un colis pour eux. C'est quand même pas mal. J'ai un mouton pour l'abattoir. Ok, d'accord. J'ai peur que ce soit un code. Et planquez-vous les mecs, hein. Faut que je vois où est-ce qu'est l'arme par contre. Putain, l'arme elle est à l'autre bout. Ça, c'est quoi sa base avancée, d'accord, c'est simplement ça. Cache d'Intel, dossier Kingslayer, on va aller plutôt voir la cache d'Intel. Qui est en face. Maintenant que le bureau infernal est reparti pour Itaqua, reste plus qu'à savoir où exactement. L'Unidad remballe, on peut y aller. Ah, ils sont présents en grosse quantité quand même, hein. Là il y a un truc, je vais le choper. Crac, le document s'il te plaît. Ils sont beaucoup trop nombreux pour que j'attaque. Beaucoup trop nombreux. Et je peux pas passer. Tranquilo, chambón. Si tú quieres.
Oh, je passe. Oh, je passe, crème. S'il y a quelqu'un dans ce bâtiment, je suis baisé. Ok, les médailles. S'il te plaît, merci. Vu que t'as que ça à me proposer, c'est tout ce que je vais prendre. Je vais quand même prendre ça, hein. Ça te dérange pas. Je vais quand même, par principe. Halt! Halt en mode débile. Là, on est repéré. Ennemi à terre. Merde! Ça pour un mec qui faisait des pompes. On recherche sur moi. Hop. Je sais pas ce qu'ils disent, mais apparemment c'est pas dans ma langue. Ça semble vaguement quelque chose que j'ai déjà fait, ça. Je me trompe peut-être d'endroit, cela dit. Une seconde, il y a une caisse d'armement. Oui, bah oui, c'est encore une que t'as vue à travers le mur, voilà, c'est ça. Merci de ton aide, la vision à rayon X. Crac. En tout cas, franchement, on s'en sort pas si mal. Et c'est quoi là-dedans? Ah oui, c'est le shorty truc là. C'est cool ça. À quoi ça ressemble? Je voulais l'inspecter à la base, je peux pas voir à quoi ça ressemble. Drone ordinaire, parce que je peux changer de drone. Ah oui, IEM, mine sonore et soin. Exact. Exact, exact. Donc, imaginons que je voudrais aller voir ça. Ah, c'est vraiment... c'est stock, hein. Accéder à la boutique pour débloquer cet objet. C'est quoi la boutique? C'est quoi la boutique? C'est bizarre. Je sais pas ce que c'est que la boutique, mais... Ça doit être intéressant, quelque part. Ok. Donc là, on est bon. Raté! T'avais déjà entendu parler de tir au pigeon? Wow! C'est toi, bonhomme? Oh, j'ai été repéré! Merde! À redescendre, ça va être la chienlit! Bateau. Conduire. Deux secondes, je prends le volant. Allez, les filles. C'est bon, j'y suis. Ok, donc on a réussi à remonter, c'est cool. Tout se passe bien. Là, on a un transport, on n'a pas l'armement qu'il faut pour ça. J'ai bien envie de me focaliser sur les différents armements qu'on va pouvoir trouver. Là, une mitrailleuse, c'est pas ce qui m'intéresse. Malheureusement. Et donc là, c'est quoi? Allume une radio pour un déblocage d'appui, d'accord, ok. Déblocage d'appui. Demander une frappe aérienne, une frappe de mortier, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Poursuite par lui, oui, d'accord, je peux, oui, bien sûr, je peux pas.
Allez les filles, on se dépêche. Non, vous voulez pas? Bon bah écoutez, je vous ai demandé si vous vouliez venir, vous vouliez pas. Tant pis pour vous. Qu'est-ce qu'il y a par là? Où est-ce que je vais d'ailleurs? Je sais pas du tout où je vais. Okoro, le plus gros producteur du Coréen, d'accord. Plutôt de maïs, élevage bovin, chef lieu, campo. Ah bah... Non, mais non! Mais qu'il est con. Boman, ici Nomade. On vient d'arriver à Okoro, tu nous fais les présentations? Vous êtes dans la première province productrice de coke en Bolivie. Tout le réseau local, c'est El Yayo qui l'a monté. Nage furtive. Cette année avant l'arrivée de la Santa Blanca. Quand El Yayo a rejoint le cartel pour devenir responsable de la production, il a confié Okoro à son petit-fils. Waouh. Il s'est appelé El Emissario. L'émissaire. Il passe le plus clair de son temps en dehors de la province à faire ami-ami avec les politiciens de Sucre pour le compte du cartel. Et vas-y, voilà. D'accord, on a atterri dans une nouvelle zone en fait, complètement. Complètement nouvelle. Ok. Dac. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Pour le moment, c'est pas ce qu'on va rechercher. J'ai plutôt l'intention... Alors déjà, de voir où est-ce qu'on est dans l'épisode. Ce serait intéressant. 16 minutes, on a encore largement le temps. J'ai plutôt l'intention d'aller ici. Voir ce que je peux y trouver. Elle est montée, montée. Le réseau est tellement bien rodé qu'il tourne quasiment tout seul. Le quasiment, c'est l'assistant de l'émissaire. Encore pas monté K2, c'est pour ça que vous vouliez pas venir. Le site de production d'Okoro est commencé à tout foutre en l'air. L'émissario sera forcé de revenir à Okoro pour reprendre les choses en main avant que papy s'en aperçoive. À ce moment-là, D'ac. On pourra le choper et remonter jusqu'à El Yayo. Ok. Ah bon? Déjà? Vidéo disponible, ok. Oh, d'accord. Vous connaissez tous El Yayo, le Bolivien le plus haut gradé de la Santa Blanca, et leur directeur de production. Mais est-ce que vous connaissez son petit-fils? Gonzalo Yana, alias El Emissario. Excusez-moi. D'accord. Yayo lui a appris toutes les ficelles du métier. Mm-hmm. Comment produire la meilleure poudre de toute l'Amérique du Sud? Comment entretenir les relations avec les habitants du coin? Et surtout, comment servir ses maîtres de la Santa Blanca. Emissario respecte Yayo. Il est prêt à tout pour lui faire honneur, pour qu'il soit fier de lui. Et c'est précisément pour ça qu'El Emissario est la cible idéale. D'accord. Il a par-dessus tout de faire honte à son grand-père. Si on sabote ses activités à Okoro, il va rappliquer aussi sec. C'est là qu'on le chope. Avec un peu de chance, il nous déballera tout ce qu'on veut savoir sur son vieux papy. Mouais. Il va falloir beaucoup de chance. Mais je cautionne. Je cautionne l'idée. Pourquoi pas. Cependant, j'ai envie d'aller là. Finalement, je vais pas aller en haut. Je vais aller directement me chercher la frappe de mortier. Si possible. Parce que d'une, ça va sans doute être plus intéressant à aller chercher pour vous. En plus, visuellement, ça va claquer quand on l'aura. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous devons nous rendre ici. Hop. Et ici, c'est juste en bas. Donc avec un peu de bol, est-ce que je peux me faire une cible à 500 mètres? Je verrai rien à 500 mètres. Ah, je vois une voiture. Quand même. Parce qu'il y a un compteur de cible fait à plus de 300 mètres, chers amis. Et je suis vraiment curieux. En me mettant là sur la colline, je devrais pouvoir être bon. Crac. Mais il y a personne à 300 mètres. On a personne qui est affiché à 300 mètres. Si ? Où il n'y a personne dans les rues, ça dépend. Hein. Ou alors c'est pas une ville méchante, peut-être. On va bien voir. Hein.
Apparemment, c'est pas une ville méchante, tout simplement, hein, donc bah. Here we go, hein. Here we go, alone on our own. Our own. Non, c'est pas des méchants. C'est une ville normale. Intéressant. Je m'y attendais pas. Allumer la radio, c'est tout con, hein, comme mission, en plus. Non, pas de musique. Mais putain de droit d'auteur. Crac. Casse-toi. C'est bien. Bonne Fifi. Ok, bonjour. Non, sérieusement, faut... Je suis désolé, hein, mais... Ok, c'est bon. Défendre la radio. Oh putain, défendre de quoi? Attends, défendre de... Wow! Aïe. Ok. Ok. Ça se passe très très bien. On a juste pris excessivement cher. Mais non, tout va bien. Ok, les munitions, c'est là. C'est là qu'une mine aurait pu être intéressante. Y'a personne d'autre qui vient, c'est bon, c'était juste deux bagnoles. Seriously? Bon, bah c'est fini. Balance ton pitch, t'as raison. C'est tout? On a 20 secondes de blanc? C'est cool, c'est la fête. C'est rigolo. Donc je note le nom du premier épisode avant de l'oublier. Grosse attaque. Super, ça s'appelle propagande. Ok, point de compétence acquis niveau 5, c'est génial. Ce qui ne donne qu'un seul point de compétence, malheureusement. Mais ça pourrait être suffisant si... Oh. Ça peut être intéressant aussi, ça. Ça peut être intéressant aussi. La batterie, ça va être intéressant aussi. Il faut qu'on améliore notre drone, hein, parce que la Roco, c'est... C'est la base de tout, hein. Ok. J'irai bien là chercher un point de compétence supplémentaire, au passage. Faut remonter tout en haut, donc on va se choper une bagnole, hein. Pas celle-là. en tout cas, j'espère qu'on va pouvoir se choper une bagnole. Bonjour, excusez-moi, pourriez-vous, s'il vous plaît? Merci. Merci. Il y avait une touche A, hein, donc je sais pas ce que ça voulait dire. Allez, rentre. Ok. Merde, mes droits d'auteur. J'y pense pas, mes droits d'auteur. Bla. C'est bon, c'est pas grave. Tout va bien. Elle est faite pour ça. Pour gravir les collines de terre. Ok. Elle a pas assez de puissance pour drifter, c'est pas grave. En même temps, drifter en côte, vas-y, viens le faire avec une petite bagnole comme ça. Donc, apparemment, on a des copains là-dedans. Des copains et des copines.
On va attaquer en mode violent. Voilà. Ils vont jamais nous retrouver. Merde, à chaque fois je me trompe de... Touche. Appui rebelle. Ok, ça va être intéressant de le choper ce truc là. Ah bah non, on l'a déjà chopé, je suis con. Wow, bonjour. Comment ça, Explosion? Aïe, des balles dans le dos! Je me suis pris des balles dans le dos! Salaud! Je me suis pas... C'est vraiment beaucoup plus tactique qu'un Call of ou n'importe quoi, hein, finalement. Et de loin. Et de très très loin. Non, non, t'as demandé... Il a le temps de demander des renforts? Ce que je peux faire, c'est ça. On attend que la voiture arrive. Merde, à chaque fois que j'oublie, j'avoue que j'appuie sur A. J'ai demandé à Pat Katari de pilonner l'ennemi. Bien reçu, paré à tirer. Est-ce que ça va suffire? C'est un peu long. Ok. Ok. Ils sont solides. Ils sont super solides. Oh là là. D'accord. En position, feu. Compris. Ok. Ils sont casse-couilles à m'envoyer des unités tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va faire, on va fuir, on va fuir. Ah bah non, on n'a pas pris le point, je suis con. On n'a pas pris le point, mais qu'est-ce que je suis con, moi je suis à deux doigts de fuir alors que voilà, on n'a rien fait. Terminé pour lui. En même temps, vous êtes en dehors du... Qu'est-ce que... Ah oui d'accord, c'est un... Merde, je vais dire c'est un fusil de sniper. Il survit. T'es rigolo, toi. C'est pas que j'en ai un petit peu ras-le-bol de dégager. Bon, elle passe à travers mon corps, c'est génial. Merde. De deux. En fait deux, d'accord. Ok. Me prévenez pas, surtout. Putain, y a même un. Il faut qu'on s'enfuit en fait. Y a pas, on peut pas les abattre. Il faut s'enfuir finalement. Y a que ça. Alors qu'est-ce qui va se passer si je laisse mes mecs crever? Ça m'intéresse de savoir.
fâche. Il y en a deux sur ma gueule, des hélicos. On va se coucher là. Ils m'ont perdu. Ils m'ont perdu. Alors non, pendant ce temps-là, les autres remontent. Ils m'ont perdu. Ils m'ont perdu. Ils m'ont perdu. Ils m'ont toujours perdu. Dès que je sors, ils reviennent. Il y a la flotte derrière moi en plus. Cassez-vous! Mais merde! Pas vu, on est d'accord. C'est impossible qu'il m'ait vu. Tu comptes te casser à un moment ou à un autre ou pas? Parce que je veux dire, le carburant ça coûte cher. Hein. Je suis déjà à plat ventre, hein. Un hélico, tous à terre. Oui, je sais. Un hélico à plat ventre. Un hélico de Unidad, profil bas. Ah, ils sont deux, putain. Comment je suis censé me barrer maintenant? Ah putain, d'accord, si je tire trop d'un endroit, il me voit. Province de Barchevos, je suis dans une autre province. Oh oui les mecs. Bouge, 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 bouge. C'est bon ce que t'as là. J'ai plus de balles. Merde. Ah c'est con qu'ils soient barrés avec leur mitrailleuse. Surtout qu'en plus y'a plus de véhicules dans le coin maintenant. Bien joué. Et de 1. S'il te plaît, arrête-toi. Moi, je me barre. Vu qu'apparemment, ça a une durée infinie, ces combats. Oh non, oh non. Voilà. Non, faut pas exagérer non plus. Putain, j'ai plus de pneus à l'arrière, c'est ça. L'hélicoptère me suit encore. Hein. Patrouille de l'unidad semée.
Wouah, bah ça aurait été compliqué, hein. Attends, moi j'ai autre chose à faire, malheureusement là. Patrouille alertée, tu rigoles là. Cassez-vous! Ils sont insommables! Ok. Il se passe des choses avec ma moto, je sais pas quoi exactement. Il y a ma moto qui a cassé? Non, toujours pas? C'est joli en tout cas dans le coin, dis donc. Oh la gueule. Ah, c'est un bidonville. D'accord. Bonne nouvelle. Soigno a envoyé sur place son comptable. D'accord. Faire un audit de Nidia Flores. Ok. Tel genre a rien laissé passer, à ce qui paraît. Que Nidia rogne ou pas sur la barre de Soigno, on s'en fout. Ce qu'on sait, c'est qu'elle l'a mauvaise d'avoir tout le pot sur le dos. Barbecho, c'est le point d'entrée en Bolivie des bénéfices brésiliens du cartel. D'accord. Bénéfices blanchis par la Banco des Barbecho. Ok. On vient foutre le bordel dans ses affaires. On doit pouvoir trouver un moyen d'en profiter pour saboter toute l'opération. Est-ce que je peux grimper ces trucs-là? Allez! Canesson! Mouais! Ça me semble viable. Bah écoute, on va regarder la vidéo. Mais je suis un peu déçu de l'Unidad, hein. C'est extrêmement compliqué de les avoir en fait. Ils appellent automatiquement les. Leurs potes quoi. Celui qui lave le linge sale de Soigno s'appelle Octavio Allende, alias El Pulpo, la pieuvre, parce qu'il fourre ses tentacules partout. D'accord. Si on l'élimine, la machinerie du cartel va prendre l'eau. Ok. Mais ça va servir comme d'une arme. Pulpo, c'est un fonctionnaire et il le sait. Au lieu d'un AK-47, il a un attaché-caisse, qui lui sert à ouvrir des portes commerciales, à cimenter des relations avec les politiciens et la police, et à rendre l'argent du cartel dépensable. Grâce à El Pulpo, en plus de ses activités occultes, la Santa Blanca a investi dans de nombreuses affaires légales. Ok. El Sueño a fait venir El Pulpo en Bolivie pour vérifier les comptes de Nidia Flores. Les fonds brésiliens sont acheminés à Barbechos ou les Barbechos, mais apparemment c'est Barbechos que ça s'écrit. Les bénéfices de Nidia doivent tirer un peu la gueule. Ok, enfin bon, tout ça pour dire que voilà, on aura bougé notre, on vient de là. Hein. Là, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah d'accord, c'est quand je dézoome. Ok. Nous, on vient de cette région-là de base, hein. De base, on vient d'ici. On a quand même fini par arriver ailleurs. Panier vertical. Ça peut être intéressant, ça. On va donc se téléporter. On va se téléporter là, chers amis, à Itaquaico. Et on va aller faire une petite ligne pour aller récupérer d'autres objets, encore une fois. De toute façon, nous sommes à 38 minutes de vidéo, donc on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Me mets dans le cadre. Voilà, à plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop. Et désolé si j'ai un petit peu fui tout le monde.